Salut zami mwen. Jodi a nan numéro 84 nan rubrique nouan Ma Bible mon trésor, nous allons parler de l'observation du texte dans l'étude de la Bible. Activité ça ou bien habitude ça la permettre ou pi bien étudier la Bible. Tendez bien. Lè ou gon verset, un texte biblique nan men ou besoin comprendre, c'est pour retirer dans l'esprit ou que là ou pral valider yon hypothèse ou bien yon idée ou t'es déjà gagné. C'est pas prouver ou pral prouver ça en tête ou, mais c'est décortiquer ou pral décortiquer texte biblique là pour saisir ça texte biblique là te vle dit nan époque yo t'es écrit là. Nan observation, c'est texte biblique là qui pral parler avec ou. Ou ap simplement disposer et utiliser les principes qu'il faut pour ramasser toutes données texte biblique là à baou qui va aider dans l'autre étape étude biblique là. D'où la nécessité de l'observation. Parlant de l'importance de l'observation dans le processus de l'étude biblique, John Wycliffe, 1324-1384, a écrit ce qui suit. Cela vous aiderait à comprendre grandement l'écriture si vous observiez non seulement ce qui est dit ou écrit, mais de qui et à qui cela est dit, avec quel mot, à quel moment ou dans quelles circonstances, en considérant ce qui précède et ce qui suit. La première chose à faire pour bien observer un texte biblique, c'est de bien lire ce texte. Ou capable lire texte là 2, 3 ou bien 4 fois. Ensuite, vous allez poser et répondre à certaines questions toujours d'après le texte. Le principe, bien observer pour bien recueillir les données. Pour l'observation, ou capable décider servir avec la méthode des 6 questions classiques que vous utilisez le plus souvent dans le domaine journalistique. Question ça aussi, qui, quoi, quand, où, pourquoi, comment. Avec qui on se pose autant de questions que possible. Par exemple, qui a écrit ce texte, à qui ce texte est adressé, qui sont ces personnages, avec quoi on peut également poser pas mal de questions. De quoi l'auteur parle exactement? Quel mot emploie l'auteur? Y a-t-il des répétitions dans le texte? Quel est le contenu essentiel du discours? Quelle est la phrase centrale? Quelles sont les phrases secondaires? Ou capable faire même exercice là avec quand? Qui l'est texte ça a été écrit? Dans quel moment action ça a été passé? Dans quel moment dans journée? Dans quelle période dans l'histoire? Dans quel récit que nous y est là? Qui durée événement ça auteur a raconté? On peut également faire de même avec comment. Comment se déroule l'action? Comment se succèdent les scènes, les réactions? Quelles sont les attitudes les uns envers les autres? Comment est-ce que le texte dit telle ou telle chose? On peut se poser les questions. Pourquoi les auteurs du récit agissent-ils ainsi? Que dit l'auteur sur leur motivation? Quelles sont leurs attitudes envers Dieu, envers le problème qui est posé? En résumé, l'observation d'un texte biblique cherche à décrire ce que dit le texte et comment il le dit. Lè ou ap observé yon texte biblique, c'est même gens avec yon enquête ou ap mené. Chaque indice important en pile pour suite enquête là et pour conclusion enquête là. Prends son ou pas besoin aller rapide. Pas jamblier. Objectif là c'est météo à l'écoute du texte pour qu'à recevoir autant d'informations que texte là vle ba ou. Bon, nan pati ça, ou capable tenter également définir quelques mots qui très importants ou bien qui semblaient compliqués. Moi espérer que vous comprenne observation, c'est pas seuls outils que vous a besoin pour capable comprendre un texte biblique. Gagner plusieurs autres outils encore. Interprétation d'un texte biblique. Et ensuite, n'abjoigne l'application d'un texte biblique. Troisième étape, ça, important en pile. Mais, il découlait de deux premières étapes. C'est ça que fait,
faut bien comprendre les deux premières étapes pour être capable de passer à la troisième. Déjà, nous souhaitons, vous avez commencé à faire quelques petits exercices, moi garantis, même si vous n'avez pas maton, un seul coup, mais vous connaissez le proverbe là. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. Et tout ça, c'est pour bien être spirituel. Que Dieu vous bénisse.